gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être là présent avec nous et de se réjouir avec nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa, alléluia, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, Dieu ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Il
la tempête souffle dans ta vie ou dans ton foyer, sache qu'il est le Dieu de l'impossible. Confie-toi en lui. Mets ta foi en lui. Et chante avec moi. Loue-le. Tu peux faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Soit tout l'honneur, puissance.
puissance est fort, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance est fort, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. J'aimerais vous saluer au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un mot qui est important pour nous, c'est de veiller. Et le titre du message, c'est « Soyons vigilants ». Alors, nous allons lire dans Marc 13, verset 37. Marc 13, verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. C'est vrai que nous sommes dans cette période de vacances et nous allons arrêter certaines activités personnelles, professionnelles et même certaines activités dans l'église. Certains iront même au JO. Nous sommes peut-être préoccupés par autre chose dans cette période. On va se relâcher, on va être moins stressé, on va se distraire à la plage ou à la rivière. Mais il est important pour nous de rester vigilant sur le plan spirituel. Et le mot veiller veut dire être de garde durant la nuit, se méfier, rester volontairement éveillé, être sur ses gardes, être en alerte. Et nous allons voir en deux grands points. Premièrement, pourquoi rester vigilant? Et deuxièmement, rester éveillé. Alors, pourquoi rester vigilant? Si nous suivons l'actualité, la plupart des armées du monde maintenant sont en état de vigilance permanent. Et nous voyons en France, avec l'Euro et les JO, il y a le plan Vigipirate afin de parer d'éventuelles attaques. Si les États sont en vigilance, à plus forte raison nous qui sommes chrétiens. Et
La première cause pour être vigilant, c'est à cause de l'ennemi. 1 Pierre 5, verset 8 va nous dire, 1 Pierre 5, verset 8, il nous dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Amen. La version parole vivante nous dit, « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. » Amen. Se laisser distraire, c'est se détourner du but initial, par autre chose de moins important. Et nous allons voir un exemple. Dans Matthieu 4, verset 1 à 11, Matthieu 4, verset 1 à 11, il nous dit, « Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donna des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servait. Amen. Jésus vient de se faire baptiser et le diable vient tout de suite le tenter. De même, si nous ne sommes pas vigilants, l'ennemi de nos âmes va chercher les failles pour nous attaquer. On peut avoir une faille de caractère, c'est-à-dire un trait de caractère qui est non soumis à Christ. On peut aussi tomber dans le péché si nous ne sommes pas vigilants. Et le but du diable, c'est de nous faire pécher. Il ne peut pas nous obliger à faire le mal, mais il a besoin d'influencer notre volonté pour qu'il ait accès à nous. Dès le début, dès le commencement, le diable n'aime pas l'humanité. C'est pourquoi il sème des pensées mauvaises. Il sème dans le cœur de l'homme toutes sortes d'abominations pour que le plus grand homme puisse périr avec lui dans les temps de feu. Et bien aimé, s'il a tenté Jésus qui est le Fils de Dieu, à plus forte raison nous qui avons donné nos vies à Dieu. Et l'ennemi va utiliser toutes sortes de moyens pour que nous baissions la garde. Par exemple, nous avons les réseaux sociaux. C'est pas mauvais en soi les réseaux sociaux, mais on peut trouver tout et n'importe quoi. On peut passer des heures dans des vidéos et qui nous apportent rien, alors qu'on pouvait peut-être prendre ce temps partagé avec la famille, prendre ce temps de prière, prendre un temps avec la parole de Dieu. Et si vous regardez maintenant quand on est à table, dans un déjeuner familial par exemple, on a tous notre smartphone en main, notre téléphone. Alors que le repas devait être un temps d'échange convivial, on est tous isolés, tout en étant ensemble. Bien-aimés, l'ennemi veut nous influencer aussi par d'autres doctrines qui semblent être chrétiennes, mais qui nous éloignent de Dieu. Il peut aussi nous influencer à changer nos priorités. En tant que chrétien, notre priorité, c'est notre relation avec Dieu. Mais s'il y a des choses qui passent avant Dieu et qui prennent la place de Dieu dans nos vies, par exemple, le travail, la famille, on baisse la garde. La priorité n'est pas la bonne. Et il est important
d'avoir ce discernement pour détecter les stratégies de l'ennemi pour nous faire baisser la garde et pour nous influencer. Il est important de rester vigilant face à l'ennemi. Deuxième cause, à cause de notre chair, Marc 14, verset 38 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est la lutte de tout enfant de Dieu. Il y a cette lutte intérieure quand nous avons donné notre vie à Christ. Et nous voyons cette loi en nous. Il y a cette lutte, ce combat. Et dès que nous avons fait le choix de Christ, la chair n'aime pas l'esprit et s'oppose à l'esprit, comme dit la parole de Dieu. L'homme sans Dieu est dominé par la chair, par ses désirs. Et nous allons voir un exemple. Dans 2 Samuel 11, versets 1 à 4. 2 Samuel 11, versets 1 à 4. Il nous dit, « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Elle était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour le chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Amen. C'est la saison de la guerre. Donc les rois se mobilisent pour faire des conquêtes. Mais David, il va prendre des vacances. Il va envoyer Joab à la guerre. Et ce temps de vacances va amener David à être inactif, à être oisif. Être oisif, c'est quelqu'un de oisif, c'est quelqu'un qui est dépourvu d'occupation. Et nous voyons le manque d'activité de David. Il a commis un adultère. Alors qu'il devait être sur le terrain avec l'armée, il était chez lui, tranquillement à se reposer. David était inactif et la chair a pris le dessus. Et bien aimé, il faut nous éloigner de tout ce qui pourrait nous faire pécher, qui nous pousserait à pécher. Ne pas se laisser influencer par le monde. Même si c'est une période de vacances qui arrive, les lois de Dieu ne changent pas. Celui qui donne sa vie à Jésus a cette lutte intérieure entre l'esprit et la chair. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit dominer sur la chair. Romains 7, verset 14 à 24 nous dit, Romains 7, verset 14 à 24, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Paul décrit cette lutte qui est en nous, parce que lui-même a été confronté à cette situation intérieure. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder notre position en Jésus-Christ. Et notre but, c'est toujours obéir aux lois de Dieu.
veiller sur nos pensées. Nos pensées nous influencent. Et toute action, bonne ou mauvaise, part d'une pensée. Et dans le cas de David, il aurait pu se détourner son regard et rejeter cette pensée d'adultère. Mais il a laissé la pensée se transformer en action. Nous devons veiller sur nos pensées afin de ne pas pécher contre Dieu. Et Dieu nous donne un verset, la parole nous donne un verset, Philippiens 4, 8, qui peut nous aider. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ce verset nous sert de filtre. Vous connaissez le filtre à café, mais ce verset c'est comme un filtre. Il va filtrer les pensées qui arrivent pour nous permettre d'avoir de bonnes pensées. Et il nous dit tout ce qui est vrai, la vérité, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de nos pensées. Il est important de filtrer nos pensées afin de ne pas laisser l'ennemi nous influencer, laisser le monde nous influencer, laisser la chair dominer sur nous. Proverbe 19, verset 16 nous dit « Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme, et celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. » Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à filtrer nos pensées à travers la parole afin que nos pensées soient purifiées, afin de ne pas laisser l'ennemi l'avantage sur nous. Troisième cause pourquoi rester vigilant, à cause de l'espérance que nous avons. 1 Jean 3, versets 1 à 3 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Amen. Celui qui a choisi Christ comme son Sauveur et son Seigneur à la vie éternelle. Mais tout au long de notre parcours terrestre, nous devons rester vigilants afin de ne pas perdre cette espérance de vivre éternellement avec Dieu, de vivre dans sa présence, de vivre dans la gloire. Et c'est là notre espérance, de vivre avec notre Seigneur. Et il est important de s'éloigner de toute forme de péché afin de marcher dans la sanctification. Se sanctifier, c'est se garder de tout mal, se purifier. Et la sanctification, c'est un processus qui se manifeste tout au long de notre vie chrétienne. Ça ne se manifeste pas un jour, mais c'est tout au long de la vie chrétienne qu'il est important de se sanctifier. Hébreux 12, verset 14 nous dit, Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Il est important de marcher dans la sanctification, de garder l'espérance que nous avons pour que nous puissions rentrer dans l'éternité avec Christ. Mon deuxième point, grand point, c'est rester éveillé. Marc 13, verset 33 nous dit « Prenez garde. » Marc 13, verset 33. Il nous dit « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Dans ce verset, nous voyons que le mot « veiller » est associé à « prier ». Veiller, c'est être réveillé, être debout sur nos gardes. C'est une attente active. Et celui qui veille, il est appelé sentinelle. Ézéchiel 3, verset 17 nous dit « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Amen.
Une sentinelle, c'est un soldat qui est armé et qui a la charge de protéger un lieu. C'est quelqu'un qui surveille. Et nous qui avons fait le choix de Christ, nous sommes dans cette armée. Et nous sommes aussi des sentinelles qui doivent veiller sur nos familles, sur nos proches, sur nos frères et sœurs de la communauté. Nous sommes appelés à être des sentinelles. Prier, c'est garder cette communication avec Dieu, cette communion avec Dieu. La prière, c'est un dialogue. Et pour chacun de nous, la prière est vitale. C'est la respiration de l'âme. Et nous sommes dans cette période cyclonique. La météo va publier des bulletins de vigilance et ces bulletins nous encouragent à rester attentifs aux différents consignes. Mais si nous sommes attentifs à la météo en cette période, par la prière, si nous restons connectés aux informations, par la prière, nous restons connectés à Dieu. À travers la prière, nous développons notre sensibilité à la direction de Dieu. Et par la prière, nous devenons actifs spirituellement. Et par cette prière aussi, nous restons sur nos gardes, parce que Dieu nous révèle, Dieu nous donne le discernement sur d'éventuelles attaques de l'ennemi. Et par la prière, nous pouvons recevoir des ordres, nous pouvons recevoir des paroles qui vont nous aider à surmonter, nous aider à être vigilants, nous révéler les plans de l'ennemi. Luc 21, verset 36 nous dit: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Nous voyons que dans ce verset, veiller et prier doivent être des actions continuelles en tout temps. Et il nous montre deux conséquences de veiller et de prier. La première, c'est qu'il nous donne la force de surmonter les difficultés. Nous ne sommes pas à l'abri de difficultés, il y en aura toujours, même si nous sommes chrétiens. Nous sommes dans le monde et les difficultés seront toujours là. Et nous ne sommes pas à l'abri, nous sommes comme tout le monde. Mais nous avons Christ. Dans la difficulté, il peut nous aider. Mais le fait de garder notre relation avec Dieu va nous aider à traverser la difficulté. Et l'exemple de Job. Il a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Il a été malade, il a gardé sa foi ferme en Dieu. Dans la difficulté, bien aimé, notre foi peut faiblir. Mais le fait de prier, le fait de garder cette relation avec Dieu, Dieu renouvellera nos forces assurément pour nous aider dans l'épreuve. Job 42, verset 5 va dire: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. À travers ce que Job a passé, il va connaître Christ dans une autre, il va connaître Dieu dans une autre dimension. Sa communion avec Dieu va grandir. Et il est important dans l'épreuve que nous puissions rester attachés à Christ. La vigilance et la prière nous aidera à surmonter les difficultés. Veiller nous permet de voir venir la difficulté. Et prier, c'est aussi déposer le problème devant Dieu et attendre la réponse. Vous savez, dans l'armée, dans chaque armée, il y a une division qui s'occupe de la surveillance du territoire, la surveillance des communications. Et ils sont indispensables pour voir venir la menace et communiquer à leur commandement qu'il y a une menace. Et comme eux, bien-aimés, nous devons être vigilants pour voir venir les attaques. Et quand les attaques viennent, à travers la prière, Dieu nous donnera la stratégie à adopter. Comme Dieu a donné à Josué des stratégies pour attaquer des villes, Dieu va assurément nous donner comment faire à travers sa parole, à travers la révélation de sa parole. Mais quand les attaques ne viennent pas de l'extérieur, elles peuvent venir de l'intérieur. Et il est important
d'être vigilants afin de discerner les attaques qui viennent de l'intérieur. Soyons vigilants pour que nous ne soyons pas des instruments qui détruisent de l'intérieur. Il est important de faire ce que Dieu veut, d'appliquer les lois de Dieu et de ne pas être un objet de discorde ou de division dans l'Église. Deuxième conséquence, c'est se tenir debout devant Dieu, comme le texte nous le dit. Se tenir debout, c'est garder cette relation avec le Saint-Esprit pour ne pas perdre la foi. Notre foi en Jésus doit grandir. Et tout au long de notre passage sur terre, nous devons garder cette foi ferme jusqu'au bout pour hériter de la vie éternelle. La foi, c'est l'ingrédient qui permet à Dieu d'agir, mais c'est aussi, c'est avec cette foi que nous gardons en Jésus, que nous avançons, que nous progressons. Il est aussi important de veiller sur l'autre. Hébreux 10, 24 nous dit, en français courant, Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. La parole nous incite à veiller les uns sur les autres. Veiller sur l'autre va demander de l'attention, va demander de voir si l'autre est dans une situation difficile, se trouve dans une difficulté. Tout parent veille sur sa famille pour qu'il ne manque de rien. Et nous avons une famille en Christ. Veiller sur l'autre va nous demander beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de discrétion. L'autre doit pouvoir compter sur nous sans être jugé. Et même dans des situations délicates, il est important d'être là avec l'autre. Veiller sur l'autre est motivé par l'amour, l'amour réciproque. Et l'amour que nous portons aux autres leur permet de s'épanouir et de grandir aussi. La base de notre communion, la base de notre unité, c'est l'amour. Et veiller sur l'autre, c'est donner de l'amour aux autres. Bien-aimés, pour terminer, deux textes. En Corinthiens 16, verset 13, il nous dit, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » En Corinthiens 16, verset 13, « Veillez, c'est tenir une position d'éveil pour ne pas tomber dans un sommeil spirituel. » Il est important d'être réveillé pour que nous ne puissions pas être dans un sommeil spirituel qui peut venir à tout moment. Et le texte d'Apocalypse 16, verset 15 nous dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. » Bien-aimés, il est important de rester vigilant, d'être vigilant dans ces temps de la fin pour que nous puissions garder notre relation avec Dieu et rester ferme dans la foi afin que quand les moments difficiles arrivent, nous soyons debout. Quand des moments où nous ne comprenons pas, mais nous savons que nous pouvons compter sur Christ, alors demeurons vigilants parce que l'ennemi de nos âmes rôde et il veut nous attaquer tout le temps. Alors soyons vigilants et que Dieu puisse nous bénir ensemble au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Merci Père de nous fortifier, de nous rendre vigilants Seigneur aux attaques de l'ennemi. Que Seigneur éternel aussi, dans ta grâce, tu puisses Seigneur éternel nous permettre de dominer sur la chair. Seigneur, tu vois cette lutte intérieure en nous. Que Seigneur éternel, dans ta grâce, tu puisses nous fortifier. Seigneur, béni sois-tu parce que c'est toi seul qui, Seigneur éternel, nous fortifie et qui veut nous emmener plus loin. Alors, Seigneur éternel, que nous soyons vigilants, Seigneur éternel, en tout temps.
Merci, Père, de fortifier chacun au nom de Jésus. Amen. Et chante avec moi. Loue-le. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Il règne.
Jamais soit exalté, Seigneur.